Et salut à tous, ici Radamantix pour la suite de ce let's play Objectif Nemesis. Et je dois dire que ça commence à prendre forme, le petit projet que je m'étais fixé dans cette partie. C'est-à-dire que je vous avais dit que j'allais continuer hors vidéo de préparer mon armée pour attaquer la Ichni Syndicate qui est là. Alors qu'en fait, j'ai changé d'avis, j'ai décidé, hors vidéo toujours, de réattaquer la Tezekian. Et regardez l'état maintenant de la Tezekian, il a été scindé l'Empire en quatre. Et en fait, j'avais exigé un tribut qu'ils ont bien sûr refusé. Là, je les ai écrasés. Et résultat des courses, c'est que on a tous deux reconnu en fait un statu quo. Sauf que ce statu quo a abouti à la scission en fait de leur empire avec une partie qui m'est favorable, et j'ai de la chance parce que c'est la plus grosse partie en fait qui m'est favorable. Alors, favorable, c'est un grand mot, donc ça s'appelle la Tezekan Imperium. Je dis que c'est un grand mot parce que quand on regarde en fait, on va dire qu'ils m'aiment vraiment, à quoi qu'ils sont loyaux. Ça a changé, c'était pas le cas. En tout cas, voilà, ils sont maintenant tributaires de mon empire. D'ailleurs, je peux même les rendre, les vassaliser, d'ailleurs. Ouais, je vais peut-être même le faire ça très vite. En tout cas, actuellement, grâce à ça, je gagne taxe des dépendances 18,88. Donc là, c'est vraiment cool, je suis vraiment bien. Je pense, là j'ai ma flotte qui rentre, là ici, ma plus grosse flotte qui rentre, avec mes flottes de trans mes troupes, ma troupe de mes flottes de transport qui sont là. Je pense, lancer la construction d'une troisième flotte en parallèle de renforcement de mes deux premières flottes, à savoir que j'ai découvert entre-temps la technologie des redoutes stellaires, ce qui me permet d'ajouter d'autres modules à mes bases stellaires. Du coup, j'ai agrandi en fait mon réseau de bases stellaires. J'étais à 6 à la dernière vidéo, là j'en suis à 8. J'ai construit celle-ci qui est là, parce que là j'ai une frontière directe avec la Ichni, et une autre ici, pareil, parce que j'ai une frontière directe avec la Ichni. Je suis en train d'agrandir d'autres stations qui sont en bordure de d'autres empires. Autre nouvelle, j'ai jeté un œil tout à l'heure aux conditions de victoire dans le journal de bord. Je suis pas trop mal placé, hein. J'étais sixième, je suis huitième. Tiens, ça a changé entre-temps. Alors, je suis huitième. Ce qui reste pas trop mal, surtout que je pense que je vais monter assez vite en puissance maintenant. Bonne, mauvaise nouvelle, je pense que c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Glebseek Watchers, ce sont les premiers à l'heure actuelle, et de loin, ils ont 46 000 points. Et les Glebseek Watchers sont est un voisin direct du mien, de moi. Donc voilà. Bon, c'est un empire déchu, bien sûr. Donc le temps qu'il se réveille, j'ai le temps de me préparer et de me développer. Donc je vais continuer cette game. Là, j'ai toujours un problème ici avec les services. C'est un problème récurrent dans tout mon empire, de toute façon, les services. Donc je vais faire ça. Ce que je vais faire aussi, c'est que donc je vais très vite, construire ma troisième flotte. Je lance juste mon chronomètre, que j'oublie souvent, évidemment. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a là, ici? Proposition. Oui, j'ai aussi conclu un pacte commercial avec un tout petit empire qui est là, qui s'est rapproché de moi. Je pense que ça peut servir pour la suite. Il y a pas mal de petits états, pas mal de petits empires ici, à côté de grands empires. Ça peut me servir d'excuse si j'en viens à être proche de cet empire-là, par exemple. Par exemple, je garantis leur indépendance. Ça peut me servir d'excuse plus tard pour déclarer la guerre. Ça pourrait être sympa. Voilà. Alors, déjà, je vais renforcer mes flottes. La seconde wave. Là, j'ai quoi? Je vais peut-être faire rajouter une classe de chaque sur les destroyers. Oh, ça, c'était un truc que j'avais donné, qu'on m'avait. Que j'avais donné ou que j'avais trouvé, je ne sais, qu'on m'avait donné ou que j'avais trouvé, je ne sais plus. Je parle du destroyer Caravani ici. Hop, et là, je vais attendre qu'elle arrive pour remettre à niveau tout ça. Donc je vais lancer une construction d'une troisième flotte. Hop, je vais d'abord commencer par les corvettes. 5 corvettes de chaque. Et c'est parti. En tout cas, n'est pas trop mal. Je suis content. Pareil, hein, au niveau des édits, de la gestion sociétale, pardon. Je suis parti sur de la diplomatie. Alors, j'ai hésité entre diplomatie et prospérité, notamment. Mais rappelez-vous de ce que je disais au tout début. Moi, j'ai envie de devenir la crise. D'ailleurs, ce sera, je
pense peut-être mon prochain atout de l'ascension. J'ai hésité, hein, j'ai plutôt pris ça hors vidéo. Projection galactique des forces qui m'agrandit encore ma capacité navale. Je pense que là je partirai après sur devenir la crise. Quoique, ce sera peut-être un peu tôt. Je vais voir. En tout cas, là, voilà, rappelez-vous, au début, je disais que je voulais pernicieusement devenir la crise, c'est-à-dire que je voulais diplomatiquement ne pas révéler mon jeu trop vite. Donc diplomatiquement, là, je vais essayer de nouer le plus de liens possible en fait avec d'autres empires pour mieux leur planter un couteau dans le dos plus tard. Voilà. Résolution votée. Donc ça. Ah. Ça, je voulais pas l'avoir, cette résolution-là. Bon, tant pis. Ici. Alors, je suis bien là. Je vais partir sur quoi? Qu'est-ce que je produis pas à l'heure actuelle? Je ne produis pas de cristaux rares. Donc, je vais partir sur ça, si je peux. Il me semble que. Bah, il me semblait que j'avais fait la découverte. Bah, non. Je l'ai pas encore lancé, en fait. Bon, bah, c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais? Ah, je vais peut-être lancer une centrale de purification des minéraux. Les mineurs produisent des minéraux, production brute des emplois 7. Ouais, je pars sur ça. Même si. Minerai produit par les mineurs plus qu'un. Ouais, allez, on va rester sur ça. Donc là, elle est réparée. Maintenant, je vais pouvoir l'améliorer. Et après, je l'agrandirai. Alors là, alors ça c'est où? Ça c'est station de Girzana. C'est ma capitale monde. Chantier spatial, carrefour commercial. Là de toute façon au niveau des valeurs comme carrefour commercial. Là j'ai un quartier d'équipage. J'ai Académie de la flotte. Ouais ça il me le faut. Et là. Carrefour commercial, chantier spatial. Je vais peut-être partir. J'hésite entre un carrefour commercial et un chantier spatial. Je pense que vu la situation actuelle, je vais plutôt partir sur un autre chantier spatial. Ouais. Hop. Ça c'est fait. Ici, c'est où? Station de Beer qui est là. Ancrage. Carrefour commercial, a priori, c'est pas la peine. Je vais continuer sur de l'ancrage. Et là, silo de stockage et bureau logistique de la flotte, ça fait quoi déjà ça? Ancrage plus 2 en capis. Ah, ça c'est pas mal. Carrefour de transit. Une infrastructure dédiée aux vaisseaux non militaires permettant de disposer d'un réseau de transit fluide et utile pour les usages civils. Modificateur de système, chance de réimplantation automatique plus 100%. Ouais, mais moi, la réimplantation. Ouais, non. Faut partir sur ça. Bureau logistique de la flotte. Hop, donc ça, c'est bon. Itam, il est où celui-là? Ouais, celui-là, il a une frontière. Carrefour commercial, batterie de canon. Pourquoi j'avais fait carrefour? Ah oui, parce que j'avais ça là. C'est bon au niveau des carrefours commerciaux. Je vais partir sur un batterie de lance-missile. Et une batterie canon. Et là, peut-être disrupteur de champ. Et. Ouais, brouilleur. Hop. Ok. Pourquoi j'ai la third wave qui se crée pas là? Ah oui, parce qu'il est en train de. Ouais, il est en train d'améliorer la flotte là. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. On va sur la flotte. Voilà, sinon là, la vue de la galaxie. Termes de taille d'empire, je suis pas le plus mal loti, on va dire. Hein. Et je pense que ça va assez vite changer. J'en profite, je dois jeter un oeil à mon niveau d'émissaire. L'espionnage, là, j'avais rassemblé des infos. Je vais faire mise en
place de... Ouais, mise en place... Non, recrutement d'une source plutôt. Pensez. Hop. Placer Kakonen. Et là, ok. Alors, la four commerciale, c'est pas la peine d'en avoir d'autres, a priori. Non. Je vais continuer sur les défenses. Hop, hop. Là, disrupteur de champ. Oh, pareil, hein, un brouilleur. Voilà. Construction complete. Enchaîne là. Ça, c'est où? Ok. Pour l'instant, je vais pas agrandir davantage. Et celui-là. Pareil. Pour l'instant, je vais rester comme ça. Là, je paye combien de base stellaire? 75. Ça coûte cher quand même. 75,20. C'est pour ça que j'y vais à mollo quand même, parce que je vais surtout. J'ai de la marge au niveau de mes flottes de guerre, de mes vaisseaux de guerre. C'est ça en priorité que je veux faire. Découverte de précurseurs. Sur Patop 3B, c'est où? Ok. Où est-ce que j'ai un vaisseau scientifique? Mince. Qu'est-ce qu'ils veulent encore ceux-là? Celle du vide a un message pour vous. Si vous voulez, vous pouvez solder certaines flottes à nous comme mercenaires. Nos équipages sont disciplinés et obéiront à vos ordres à partir du moment où vous pouvez payer. C'est un joli petit cadeau que vous fait celle du vide. Alors, faut pas gâcher. C'est bon à savoir, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Merci quand même. Ah, la sœur de Brief, c'est bon. Elle est construite. Ici, je vais l'envoyer. Là. Ambassade. En où, hein? De toute façon, bah, j'accepte systématiquement. Même c'est là, c'est eux avec qui j'ai un accord commercial. Un pacte commercial. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire. Oui, la vassalisation. Je pense que j'aurais tort de me gêner, hein. Je vais dévassaliser ceux-là. Hein. Ils n'ont pas l'air opposés. En cas de refus, à Lucas Zubili, soumission. En coup, mais ça m'étonnerait. De toute façon, normalement, ils vont pas refuser. Voilà. Changement de statut d'une dépendance. La Tezekan Imperium est désormais un vassal de la Imperium of Girzana. Vassalisation exigée. Très bien. Puisque vous engagez à protéger la Tezekan Imperium de toutes les horreurs de la galaxie, elle sera votre vassal. Ok. Changement de statut d'une dépendance. Ouais. Découverte technologique. Ouais, j'avais lancé ça. Commandement centralisé. Ce qui me rapporte nombre maximal de garnison plus 2 et académie militaire. Armée défensive, non. Parce que moi, je joue pas la défensive. Les fermes, non. J'ai. Ouais, je suis toujours limite, mais bon, ça va pour l'instant. Voilà, toujours capacité navale. Hein. Je vais continuer sur ça. Ouais, par contre, bah, ouais, j'ai. Ouais, j'ai perdu l'argent que je gagnais grâce à la dépendance, mais bon. Ça me fera un allié à chaque guerre, en tout cas. Abroger les sanctuaires naturels. Je vais m'abstenir pour l'instant, je sais pas trop. Ouverture des frontières. Star Dynasty, c'est qui? Anti-Union, tranquille. Tiens. Où? Ah, j'ai eu la Tezekan, je comprenais plus. D'accord, alors hop. Ils sont. Ok. Ah, bah c'est toujours eux. Ah, ils ont fermé la frontière, d'accord. D'accord. Ah, là, je peux construire. Ici, il me faut une maison de loi, hein, j'en ai pas construit a priori. Maison de loi, maison de loi. Hop. Research complete. Ok, découverte technologique, centrale chimique. Ouais.
Et je vais partir production, trou de verre, j'en ai même pas là où je suis, donc c'est pas la peine. Hop, bonus en recherche. Leader décédé, flotte de transport, généraux. Ouais, morale des armées. Ok. Tac. Ça donne quoi au niveau de l'espionnage là? Alors je vous avouerai que pour l'instant, je suis assez dubitatif en fait, au final, sur le système d'espionnage. Alors actuellement, je vois pas trop. En fait, je veux dire par là que si on s'en passe, ben, je vois pas trop les handicaps que ça nous donne à l'heure actuelle. Alors, j'en suis qu'à la première game avec ce nouveau système, mais je sais pas, pour l'instant, bah, au final, je suis un peu dubitatif en y réfléchissant bien. Jardin intégré, poids diplôme grâce à la puissance éco, tac, tac. Ouais, pas mal ça. Alors voilà ce que je voulais faire aussi, c'est commencer à me faire un réseau de, comment dire, on pourrait dire un réseau de clientélisme, où je vais commencer à faire des cadeaux à certains empires contre des faveurs. Comme ça, je vais pouvoir commencer à, eh ben, en sous-main, à faire des petites manigances au niveau du Sénat galactique. Alors eux, par exemple, proposer un accord commercial. Ressources stratégiques, je vais leur donner. Je suis souvent en excédent de minéraux. Je vais leur donner des minéraux. Leur donner, je sais pas, je leur donner 1000 contre faveur. Ouais, ça fait trois faveurs. Est-ce que je peux avoir des infos en plus de ça? Oui. Et non. Ça marche pas. Ok. Ça, je le renvoie. Donc là, ils ont accepté. On fait un premier. On fait un premier. Cela, le vassal là. Est-ce que je le fais? Non. Non, non, non. Alors ça, par exemple, c'est étrange. C'était mes vassaux. Mes vassaux, et j'ai pas d'infos sur leur flotte de guerre. Ce qui est bizarre, quand même. Sont dépendants de moi, je suis censé tout savoir d'eux. C'est un peu étrange, quand même. Des choses. Alors j'ai vu qu'ils étaient en train encore de faire des updates, des mages. On va voir si vous modifiez un peu certaines choses. Porteur stellaire, non. Habitat, bah, je pense que je vais peut-être en avoir bientôt besoin. Parce que pour l'instant, j'ai dû déjà décider d'interrompre le développement des pops sur la Garzana. Et ça donne quand même des malus. Peut-être que plus tard, je le ferai, ça, les habitats. Ouais, missiles antimatière, je suis pas encore au point au niveau des missiles, faut que je les développe. Hop, ça c'est Gerzana, chantier spatial, Carrefour. Ah, je crois que j'avais lancé un truc là, d'accord. Chantier spatial, Carrefour commercial, chantier spatial. Que faire, que faire? Bah, je vais faire. Ça sera mon principal chantier spatial dans la zone tant que je serai pas plus étendu. Je vais refaire encore un chantier spatial. Et là, c'est Beer. Carrefour commerciaux. Ancrage, pardon. Donc là, plus 2. Bah, je vais continuer dans les ancrages. Hein. J'ai plus 2 à chaque fois grâce au bureau logistique de la flotte ici. Hop. Et je vais commencer à titiller la Ichni, hein. Ils ont une puissance de flotte pathétique en plus. Donc bah pareil, hein, je vais leur exiger un tribut. Oh, acceptation moins 1066. Confirmé. Hop. J'espère qu'ils vont commencer à suer.
Donc là, j'ai un casus belli que je vais m'empresser d'exploiter, hein. En plus, là, alors je fais une troisième flotte parce que j'ai deux frontières avec la Ichni. J'aurai donc une flotte là qui va attaquer là, une flotte qui va attaquer là. Et je vais en garder une en réserve au cas où on tenterait de m'attaquer dans le dos. Toujours plus prudent. Qu'est-ce qui est en train d'être construit en fait là exactement? Amélioration. Amélioration? Ah bon? Amélioration de quoi? Toujours de la first wave, d'accord. Ah ouais. D'accord. Bah, je vais attendre un peu en fait. Mince. Je pensais que c'était fait ça. Gestion des collectifs des déchets. Ouais, ça j'étais pour. Ça j'étais pour. D'ailleurs, un petit coup d'œil, voilà, au niveau du poids diplomatique, je suis vraiment bien. Hein. Troisième en poids diplomatique. Derrière, Kitri. C'est quoi? Kitri Blessed Foundation et Otleti Stellar Mandate. Donc je suis vraiment pas mal. Et la Chine d'ailleurs a un poids diplomatique assez important aussi. Donc raison de plus pour les. pour les titiller, justement. Là, Sildan Kingdom, égalitariste, ok. Ah, bon, ça a été rapide en fait. Ça a été plus rapide que je ne pensais. Là, c'est où? C'est à la frontière. Pour l'instant, je vais pas développer. De toute façon, je peux pas aller plus loin, de toute façon. Donc, ça règle le problème. Et là, c'est pareil, ça règle le problème. Bah, je vais m'empresser de déclarer la guerre à la Ichni. Alors, depuis tout le moment, je déclare la guerre une fois que j'ai vraiment placé mes flottes prêtes à attaquer. Là, je ne le fais pas parce que j'ai peur en fait de perdre. Le casus belli avant, même si je pourrais le refaire après, mais bon. Est-ce que je peux pas. Ouais, j'ai quand même peut-être. Ah, je peux pas revendiquer, mince. En tout cas, j'ai revendiqué les deux systèmes qui sont là. Là, c'est chez qui ça? C'est pas eux. C'est pas grave. Bon, on va attaquer. Allez, go. Déclarer la guerre. On va donc. Soumission aux tribus. Et par contre, cela, une fois que j'aurai soumis. Je vais pas les vassaliser comme les autres parce que bon, à la base je voulais avoir plus d'argent et j'ai fait un peu n'importe quoi en vassalisant la Tezekan. Déclarer la guerre. Si c'est la guerre que vous voulez, la Imperium of Garzana vous rendra la monnaie de la pièce. Non, la Imperium of Garzana c'est moi. En affaire, il ne faut jamais faire les choses à moitié. Ou alors, ah non, c'est moi qui parlais peut-être. D'accord. Là, ok. Et là. Ok, mince, hop. Mes flottes, j'envoie donc la first wave. Tac. Et au nord. Enfin, si on peut dire, si on peut employer les points cardinaux dans l'univers, je pense que ça fonctionne pas, les points cardinaux dans l'univers, mais bon. Ah mince, ils sont encore améliorables. Ouais, non, c'est un vaisseau. Et là, c'était quoi? Un vaisseau aussi, donc. C'est pas bien grave. Et là, on attaque là. Hop, c'est parti. Je vais. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils revendiquent. Et je vais aussi rapprocher ma flotte de transport. Ici. Là, est-ce qu'il y a des planètes dans. Il y en a une là. Là, j'en vois. Ouais. Oh. Je vais la mettre là. Hop. Bon, bah là, on est pas mal, hein. On a le debord, l'anomalie, j'en ai plus depuis un petit moment. Ah, ça y est, revendique. Concept. Je pense quand même que ça serait bien quand même. Il me faut quand même des conquêtes. Hein. Il me faut des conquêtes et. Ouais, faut absolument après que je prenne possession de ça. En plus, c'est une planète là. Faut absolument que je les conquérisse. Alors, marché ouvert, valeur commerciale de l'Empire, plus 10%. Fédération. Débloque la diplomatie, former une fédération. Je sais pas si en étant la crise, on peut quand même former une fédération.
Ça, c'est une bonne question. Bon, ouais, de toute façon, en tout cas, ce qui m'intéresse là, c'est d'avoir un émissaire disponible plus un en fait. Donc là, je pars sur ça. Et l'émissaire, je vais l'envoyer chez eux. Espionnage. Tac. Hop. Ah, mais en fait, j'ai conservé. Oui, ah, d'accord, je conserve ce que j'avais déjà fait au niveau du réseau d'espionnage. Ça, c'est pas mal. Extorsion de faveur. Alors ça, par contre, ouais, je retire. Non, donc il y a quand même des utilités au système d'espionnage que je n'avais pas encore bien vu. Ça, par exemple, extorsion de faveur, pour ce que moi je veux faire, c'est pas mal. Campagne de dénigrement. Non, non, c'est vrai quand même, il y a des choses sympas. C'est moi qui n'ai pas encore bien exploité le système d'espionnage. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais continuer à. Non, je vais pas. Je... Non, pour l'instant, je vais pas développer la third wave parce que. Bah, parce que je perds de l'argent là pour l'instant. Perds de l'argent. Artefact trouvé. Plus 873 en recherche sociétale. Ok. Bon. Bon. Et d'ailleurs, est-ce que. Oui, la TCK l'impérium est avec moi. Je commençais à me dire, il y a des trucs que j'ai pas saisi avec la vassalisation. Si, si, pas d'inquiétude, ils sont avec moi. Par contre, est-ce qu'ils ont une flotte? Ça, c'est autre chose. Que vu comment je les ai mis plus bactères la dernière guerre, pas sûr qu'ils aient eu le temps de se relever encore. Et... Là. Ah, ils ont eu ça là, j'ai pas eu. Souvent, je pense pas à regarder les alliés, moi. Ils ont quoi? Oh, ils sont pathétiques aussi, ceux-là. Ils sont où? Ah, oui, c'est pas comme s'ils étaient à. Oui, bon, j'ai pas à m'en faire là. J'ai pas à m'en faire du tout. Quoi ça? Ah. Oh, ah ouais, ça c'est un super système ça. Ouais. Ouais. Ok. Et l'autre là, c'est bon? Changement éthique de la Equinian Cult, ça c'est leurs alliés, je crois. Pas du tout, là c'est l'Equinian League. Spiritualiste. Ok. Écoutez, je vais m'arrêter là. Là, la guerre a démarré, donc la prochaine vidéo va. Oula, on est sur pause. La prochaine vidéo sera grandement consacrée à cette guerre contre la Ichni Syndicate. J'espère qu'ils donneront un peu plus de fil à retordre que la TZK, mais j'ai pas grand espoir, hein, vu qu'ils ont une force, une flotte de guerre pathétique. Donc bon, ce sera encore une guerre assez facile, j'imagine. En tout cas, bah, je vous invite, hein, comme d'habitude, hein, si vous le souhaitez, à vous abonner à ma chaîne si ce let's play vous plaît. Et si, pareil, les tutos que je fais sur Stellaris vous intéressent. Également, bah, un petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir, hein, si vous voulez m'aider à référencer cette vidéo. Et quant à moi, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée, hein, comme d'hab, tout dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Et je vous dis... À très vite. Allez, ciao, ciao.